Pinky à toutes et Pinky Store, aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Bioshock. Et c'est le 10e prise que je fais de cet épisode parce que je me suis complètement chié avant. Je rame et ça me fait chier, enfin j'ai l'impression de ramer, ça me fait chier. Alors, je tiens à mettre au clair une seule chose, et que je m'excuse pour le niveau pitoyable que j'avais dans l'ancienne vidéo. D'ailleurs on m'entend pas beaucoup, je suis vraiment désolé, mais c'est parce que j'étais fatigué. Fin d'année rime avec CCF, brevet, bac, tout ce que vous voulez, et donc pression, et donc aussi fatigue, parce que révision tout le bordel. Meurs, s'il te plaît. Non, mais. Viens là. Alors, ça m'énerve parce que. Ils prennent plus rien, ces plasmides de. Enfin, ces chromosomes de merde là. C'est quoi ça, chromosome armé? Eh oui, bah en fait. Je suis un peu con. Je devrais plutôt les prendre en photo en fait. Je devrais les prendre en photo parce que. Pff, voilà. Ouais, donc. Là, ça va aujourd'hui par contre. J'ai super mal au bras, donc j'ai des courbatures parce que je voulais m'en mettre au sport, mais conneries, claquage et tout le bordel. Voilà, donc au niveau des... Enfin ça va, j'ai pas besoin de beaucoup bouger, hein. C'est pas comme si j'étais sur, en train de faire de la kinect ou ce genre de choses. Alors... Il faut surtout de lève. Et je vais garder ma thune pour autre chose. Parce que je sais ce que je vais me prendre après, parce que c'est la première fois que je fais cette vidéo, donc voilà. Ouais, non. Ça, je change. Merde. Et ça, pareil, je change. Voilà. Parce que maintenant, en gros, ma clé anglaise, hop, elle est glacée. Alors, où est-ce que j'en étais? Précipité ionique, ça va. Au niveau des munes. Ok. Ok. Je suis en par contre, ça. Ça, je recharge. Ok. Pellicule, il en faut un peu. Azote liquide, voilà. Et les carreaux, par contre, je suis un peu en dèche au niveau des carreaux. Y'a personne là? Tout à l'heure, y'avait un gars. J'étais prêt et tout, j'allais faire un scope et tout là. J'étais chaud. Ah, oh, bah il est là. Voilà, toi tu meurs. Touche pas à mon copain Big Daddy. Alors il fallait que je fasse quoi? Chercher le centre de contrôle, traverser un nain, quelqu'un peut nous faire un journal intéressant, regarder au niveau inférieur. C'est ce qu'on va aller faire. Oula, il y a eu un clipping. Si j'ai pas halluciné. Bon, putain, il m'a fait peur lui. Ok. Ça c'est précipité ionique, d'ailleurs faut peut-être que je pense à l'utiliser. Je sais pas si ça fait des dégâts au Big Daddy ou si ça l'électrocute en gros. Whisky, cigarette. J'ai entendu un gars. Hein. Mune. Ah, tout à l'heure je m'étais fait avoir. Ce bruit. C'est putain Yoni. Oui, t'as bien entendu quelque chose. Ma grande. Voilà, tu meurs. J'ai des baisses de FPS, c'est infâme. Tu meurs par contre. D'ailleurs, je peux passer par là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. J'ai plus une mine. Ah si, mine antipersonnelle. Il y a un gars. Ah, je gagne une précipité ionique. Mais je suis censé être full. Alors. Oh non, je passerai par la suite.
Hop, hop, hop. On va écouter ça. Bâtir une ville au fond de l'océan, folie. Mais où pouvions-nous être enfin libres de l'emprise crochue des parasites? Où pouvions-nous construire une économie qu'ils ne tenteraient pas de contrôler? Une société qu'ils ne chercheraient pas à détruire? Ce n'est pas de bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible. C'était de la bâtir ailleurs. Alors, j'ai pas un seul pet d'Adam. Faut que je trouve quelque chose pour me soigner. Est-ce que c'est indiqué sur la map? Ouais, je crois bien. Ah, je suis bourré. Y'a pas un endroit où je peux récupérer de la vie? Vous savez qu'on est en guerre, les gars. Si vous assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, consomme autant de R34 que les entraîneuses du jardin d'œufs consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt et deux mécanos sont morts cette semaine. Il faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir affaire à des amateurs, je serais resté à terre. Ok, Pablo. Je veux pas avoir par toi. Pour finir, j'ai plus galéré que tout à l'heure quand je savais pas où est-ce qu'il était. Il m'a fallu pour bâtir un tel endroit. Et vous, qu'avez-vous bâti? Rien. Vous ne savez que piller et briser. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes comme un termite à Versailles. Mais j'ai rien fait. Cherche pas, je vais te tuer, mon gars. Hop. Ah voilà, 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 bah tu m'as pas touché, c'est con hein. Tiens, je te sauve toi. D'ailleurs, petit avis, je préfère les gamines dans le Bioshock 2. Je sais pas s'ils ont grandi en fait depuis. Enfin bref, on va dire c'est un peu le deuxième et les graphismes sont un poil mieux, je sais plus. Je t'ai sauvé la vie, oui je sais. Alors j'ai moins galéré que tout à l'heure pour tuer ce Big Daddy là. Parce que tout à l'heure j'ai galéré comme un gros porc. Le problème c'est que j'ai lancé le combat qu'en fait j'avais vu des chrosomes et j'ai tiré sur la petite fille au lieu de tirer sur le chrosome parce que j'ai eu peur. Farandole des prix. Alors j'ai 254 carodacier. Et je vais prendre ça. Les carreaux d'acier, on va en avoir besoin. Toi, tu te lèves parce que je sais que t'es vivant. Ouais, la petite fille, elle me bloque là. Tu meurs, s'il te plaît. Par contre, j'ai plus de. J'ai plus de trucs explosifs. Hein. Monsieur. Ah non, pas elle, elle était pas là tout à l'heure. Elle est où? Tiens, tiens. Et on a des trucs de chrosome. Donc alors, j'ai récupéré Temun. J'ai récupéré ça. Tout à l'heure j'avais récupéré des. Ah c'est là, la cinématique. Le coup de circuit est là-bas, ouais. Pourquoi Ryan ne connaît pas? Parce que Monsieur Ryan a des choses plus importantes à faire que de venir renforcer la loyauté dans nos rangs. Salut, Fontaine, de ma part.
ce monstre. Piratage automatique. Ah non, c'est vrai que c'est eux qui sont plein d'être vie là. Mais tais-toi. Quoi, mon enfant? Bah t'es censé être électrocuté, ma grande. Mais non, mais tu comprends quoi? Tu comprends ce que je... Ok. Elle a pas compris. La vie de ma mère, elle a pas compris. Encore un Big Daddy, t'es sérieux? Wesh! Je t'ai explosé. Ah, par contre, ça, j'ai pas compris pourquoi elle était pas électrocutée. D'habitude, ils sont censés être électrocutés dans ces cas-là, mais. Ah, anti-sécurité. On va mettre ça là. J'ai pas reconnu la cinglée qui est venue à la boutique aujourd'hui. Elle avait une sacrée paire de Robert et drôlement bien tapée. Elle cachait bien son jeu, mais il n'y avait pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour s'apercevoir qu'elle avait pris les trucs costauds. Elle m'a posé des questions sur les serrures magnétiques et ce genre de trucs. J'ai fait comme si de rien n'était, mais elle a fini par m'affranchir. Quand elle m'a tout déballé, je lui ai dit d'aller voir Kibourks aux ateliers. Ah, Rapture est devenue un enfer. Et la grande chaîne a parfois du bon. Cherchez le centre de contrôle. Avant que le dernier rat ait fini de grignoter votre dernier lambeau de chair. Diront-ils en montrant du doigt la misérable forme accrochée à mon mur? Alors par contre, tu te tais. C'est moi, j'ai entendu. Ah bah voilà. Je la cherchais dans l'autre épi... dans la prochaine... Tout à l'heure j'avais fait une autre prise mais ça avait foiré. Et je la cherchais celle-là. Par contre il va falloir que je prenne des carreaux piégés. Alors... je vais faire comme tout à l'heure. Quel con. Là. Tu vas te calmer. Parce qu'il faut que je recharge mon carreau. Ok. Où est-ce qu'il est? Aïe, quel con! Ouah, je t'avais pas vu. Voilà. J'ai un peu galéré hein, tout à l'heure. Ah merde, j'allais récolter tout ça. On va la sauver. On aura sauvé les trois petites filles de ce niveau. Tout à l'heure, j'ai pas réussi à les sauver les trois. D'ailleurs, je disais que si à la fin je la trouvais pas, bah j'allais les chercher en dehors de vidéo et vous filmer juste l'endroit quand je le tue. Mais donc, c'est réglé. En fait ça, en fait c'est une unité d'un litre de précipité ionique, mais on peut pas les prendre en fait, je me disais aussi. D'ailleurs je me rappelle d'un truc, ça, ça et ça. On va se soigner, faire un peu le tour des munes, donc au niveau de... Ouais, c'est chaud.
On va utiliser les munitions antipersonnelles. Plus du jeu là toi. Je retine, ouais. On va recharger un peu au niveau des... du lance-patate. Et on va prendre de l'azote liquide. C'est pas mal ça pour les chromosomes. Et par contre, j'ai plus beaucoup de carreaux piégés. Un homme bâtit une ville au fond de l'océan. C'est une merveille. Un autre homme s'écrase avec un avion juste au-dessus de cette ville au beau milieu de l'océan. Là, il s'agirait davantage d'un miracle. Alors attends, je pensais que t'avais une petite fille, mais je me suis dit, mais what the fuck. Ouais, et ouais, et ouais, et ouais, t'es deg, et ouais. Combien de temps je suis au niveau de la vidéo? Un quart d'heure. Oh, ça va, tout à l'heure j'ai fait la connerie de... Quel con. J'ai fait la connerie en fait de... de fermer le logiciel en fait en plein tournage, je t'en regardais et puis... En fait, là, je cherche un endroit où on peut créer en fait un manufact. Voilà, alors on va aller voir si on peut. Je crois que dans l'autre map il y a un manufact. Merde, quel con. Ici, je crois qu'il y a un manufact, mais je suis pas sûr. Contrôle géothermique. Oui, il y en a un là-bas. Et là, on va créer quelque chose d'intéressant. Donc alors on va prendre des carreaux piégés, un outil de piratage, encore des carreaux piégés, et qu'est-ce qu'on prend. Ah oui, sanguinaire que je vais mettre, que je vais garder et que je vais d'ailleurs faire un truc. J'ai tout, ok. Voilà, où est-ce qu'il me faudrait une jardin, voilà, jardin des glaneuses. Parce que j'ai assez, je pense que j'ai assez d'Adam pour aller me chercher un nouveau objet. Ça fait peur toi. Je l'avais glacé là, j'ai eu une chance de le glacer, je l'avais glacé. Il me faut un nouveau slot. Au niveau des fortifications manufactures. Voilà, et aussi physique, je crois. Ouais, physique. Et au passage, il me reste 17 Eve et je peux rien prendre d'autre à part vendeur. Si, vendeur expert, voilà. Et d'ailleurs, la prochaine fois, il faut que je pense à prendre un emplacement de chez quoi. Et d'ailleurs, on va retourner. C'est pas là. Je cherche maintenant l'endroit où est-ce qu'on... Géothèque, génothèque. Bah c'est de l'autre côté. Attendez, là on fait un peu le tri de tout ce qu'on a. Et d'habitude, si je me trompe pas, génothèque c'est ça. Alors au niveau des plasmides, on en a que 3, ça suffirait. Faudrait peut-être que je m'en prenne d'autres. Pour le moment, il n'y a pas d'autres raisons. C'est quoi ça? Réduire la difficulté du piratage des tourelles robots et caméras. Je m'en sers pas trop, donc on va prendre vendeur expert pour le moment. Merde! Et ça, voilà. Donc alors ça, je vais mettre sanguinaire à la place. Ce qui me permet de... Vous récupérez un peu de santé de dev et dev lorsque vous infligez des dégâts avec votre clé anglaise. J'utilise beaucoup ma clé anglaise. Merde! À la fin! Et donc voilà, ça peut être super utile. Et au niveau des fortifiants... Ça doit être bon. J'ai juste pris ça histoire de. Et voilà. Attendez. C'est bon. C'est bon. Alors, on commence à être bon avec ça. Ah oui, faut que je pense à prendre des photos des chromosomes. Parce que là. Attends, je vais être tué. Donc, alors. Je vais garder les munitions antipersonnelles parce que c'est pas mal pour les chromosomes ça. Et on a tué, oui, on a pris tout, on a tué les filles. On a sauvé toutes les petites filles. Et c'est par là-bas, faut que j'aille. Non, faut que je descende. On va prendre, je sais pas quoi prendre, on va prendre ça.
Évidemment, fallait que je passe par là. Voilà, comme ça je serais pas dérangé. Ok. Et donc là, trouver le secteur noyau d'espoir. Ok, on va se recharger. Ah, c'est de l'ève qu'il me faut. C'est de l'ève, de l'ève, de l'ève, de l'ève, de l'ève. Allez aux ateliers de Kim. Je finis par t'avoir à chaque fois. Oula oula oula, oula, il est pas content hein. Il est pas content le Big Daddy. Je fasse gaffe parce que j'ai failli le tuer. Enfin, j'ai failli le toucher. Toi t'es un gentil. Ah un coffre, ça fait un moment. Ah c'est trop dur. Oh super attache. Le mec il se décourage trop facilement. Ah non, non, grenade fragmentation. C'est pas grave. Ok, précipité ionique c'est bon. Chips, ouais, moi j'en ramasse tout. Hein. Le mec il grossit plus. Le mec il arrive ici pour grossir. Quoi. Ah, manufact. Alors. Au niveau des. Au niveau des carreaux en fait ça va. Ça va plutôt bien, donc par contre, ce qu'il me faut, c'est. Je vais prendre un outil de piratage. Et puis je vais attendre quand j'en aurai vraiment besoin en fait. Oui, d'ailleurs, vous vous demandez pourquoi je regarde à chaque fois ici, parce que des fois il y a des objets qui sont déjà là, mais je regarde à la fin et donc après. Les gens, je vous dis. Attendez, 30 secondes. Vous avez dû entendre mon père d'ailleurs. Bah les gens, je vais vous le laisser. OMG. Attendez, je vais regarder à combien de temps au niveau de la vidéo. Et là on a mis combien de temps? 22 minutes. 22 minutes déjà? Eh ben, c'est que ça passe vite. Bah les gens, je vais vous laisser là. Ça tombe bien parce que moi il faut que j'aille manger. Et bah je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas de mettre des pouces verts, des pouces bleus, tout ce que vous voulez. En espérant que. Ah non, le boko. Je vais prendre ça. Je vais garder. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir quand c'est que je sors de nouvelles vidéos, de me suivre sur Twitter si vraiment vous voulez me parler ou poser des questions, tout simplement suivre mon activité et tout ça. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas de passer sur la chaîne de Mazdarm Xtreme et de donner votre avis sur la nouvelle émission que je suis en train de préparer avec Dash. WTTT, putain j'ai. WTT, donc qui sortira soit le week-end prochain ou le week-end encore d'après. Il faut l'écriture et puis que je fasse bien sûr enfin voilà, que je fasse surtout l'écrit. Donc alors je vous dis à la prochaine les gens. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je pense pas en tout cas. Bisous tout le monde en espérant que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.